Eh vas-y tranquille, arrête deux secondes. On se fait un petit Outlast Whistleblower. Vas-y. Ça marche. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Gangstar. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Outlast Whistleblower. Donc pour la deuxième partie du Let's Play, cette fois-ci je suis en compagnie de Nico, donc qui était présent pour la partie 1 du Let's Play sur Outlast normal. Donc voilà, on va pouvoir y aller. Salut les couilles. Ferme ta gueule. Games un peu, Games. Je sens que t'es chaud là. T'es chaud ce soir. Ok, donc on est parti. Donc on vient de semer celui que j'appelle Luis Suarez, donc le cannibale. Donc on est parti tout de suite pour la suite d'Outlast, la deuxième partie du Let's Play. Let's go. Allez, donc on y go. Première partie qui s'est plutôt pas mal déroulée, à part que j'ai un petit peu flippé à certains moments. Bon, je suis pas un rusher hein, dans des jeux comme ça. Je suis quelqu'un qui va assez tranquillement, on va dire. Oh putain, je suis dehors, j'aime pas ça. Je sais pas si c'est que mon pote a déjà terminé le jeu et le DLC, donc il connaît un peu les screamers. Tout, ouais. Je connais non, tout. Il connaît, non, enfin tu l'as fait qu'une fois. Je connais que... tout. Ok. Pic de postier, va. Je suis un putain de génie, mec. Bah avance, toi tu te vois, tu te fais attaquer, tu te prends un coup de bah, oh, pas... les pieds nus. Oula. Où sont les chaussures? Je me suis pas fait attaquer, il y a juste une merde qui m'a pété à la gueule, c'est cool, c'était un farce à trappe, c'est bon, c'est, ça va, je m'en suis remis. Hein. Pff, j'ai sorti quoi comme insulte PD de postier? J'aurais un mec de la poste qui est arrivé, t'as fait une faute, puis il est parti. Ah putain, non, mais ça c'est un grand délire ça. Comment j'aime pas ça. Attends, là, la porte, là, il y a un truc, je sens pas. C'est même pas une porte, vas-y. Oula oh. Mec, il joue au basket tout seul. Attends. Wesh. Ah oui, oui, oui. Ouais, j'ai acheté une tête. Et maintenant, on regarde actuellement Tony Parker qui s'entraîne à ses lancers francs. T'es moi comment il lance ça, il met ses mains comme ça. Il galère. Ok, on t'a plus de points dans le brouillard. Je sais même plus comment. T'es moi, il court comme Tom Sawyer, mon gars. Wow! Fais le tour. Il non, t'a pas poursuivi, il s'en va les couilles. En fait, il t'a ouvert la porte. Au droit, quoi. Elle a une tête de caribou, regarde, t'es moi. Bon. Une tête de caribou. Regarde ses yeux. La dernière fois il a cligné des yeux, c'était en 2007, mon gars. Petit dessin. Ok, donc on va continuer. Let's go, motherfuckers. T'es pour pas avoir peur, tu regardes tes pieds pendant tout le jeu. Au pire, c'est juste une musique vénère d'un coup, mais c'est tout, tu vois. Tu vas être choqué, tu vas avoir d'autres pieds, tu vois. Ah, bonjour. Oh putain. Cours. Je te conseille juste de courir. Oh, le monsieur tout nu. L'homme tout nu. Ouais, je vais passer la porte, il va se pointer, c'est obligé. Bah, faut bien passer pour avancer. Chaque fois, il y a la même fin de merde. Bon, ok, on tape. Tu te colles une grille et là, il est sur le côté, il passe son doigt, ouais. Tu vois. Ok. 3, 2, 1, go! Mais regarde pas tes pieds. Ah non, wow. Quelle connerie, je regarde mes pieds, mon cul, là. Passe la porte sur le côté. Tu vois, regarde, ils sont aveugles, tes mains. Ouais. On va aller en mode Splinter Cell. C'est pas la musique, mec, il me suit du regard, mais il ne me voit pas. Bah oui, je te jure, vas-y, il va te cramer. J'ai pas confiance aux hommes tout nus, cours, là. Le gars, il court dans les murs. Ouais, ils entendent pas le bruit. Si, je sens. Mais si, il m'a... même dans le DLC, je me rappelle, il m'a tué. Ah, okay, moi, il y avait des... Ouais, mais moi, ils veulent pas me voir, c'est un truc de...
Wow. T'as, c'est l'homme qui jouait du... Connard, va. T'as cru que t'étais qui? Ouais, voilà, je t'ai dit. Ils m'ont tué, moi, je t'ai dit, les hommes tout nus. Rabat-joie. Wow. Reprends ta balle, mec, reprends ta balle, tranquille. Ta tête. On ne veut pas... Ouais, c'est pareil. Passe là-bas. C'est la partie de basket la plus glauque que j'ai jamais fait. Hein. Tiens, prends la balle, mec, j'en veux pas. Oui, y'a faute, oui, si tu veux. Ils arrivent, y'a les hommes tout nus. Je les ai vus, c'est bon. Mais passe la porte. Pas celle-là. Quelle porte? Celle-là. Fous le camp, tu vas laisser ta chemise et ta peau. Ok, c'est cool. C'est bon, je vous laisse faire votre basket entre vous. Nos soucis, ça va, tranquille. Ouais, mais vas-y, mais pourquoi tu... On va toi, y'a des méchants. Tranquille, on se tape des barres avec eux, c'est bon, ils vont rien nous faire, ça va. Il a dit je veux jouer. Ou je veux plus jouer, je sais plus, j'ai mal lu. Hey, on pouvait trop faire un putain de basket avec eux, toi t'as tout niqué. De toute façon, t'es quelqu'un qui n'est pas sociable. Tu n'aimes pas t'ouvrir aux gens comme non, ça. Avec ces gens-là, excusez-moi. Ils sont sympathiques, ça va, c'est bon. Pour toi. Allez, let's go. Ouais, une musique que j'aime pas là. Wow. Mais non, mais votre monde. Arrête de gueuler comme une fillette là, ça m'énerve là. Mais ça me fait stresser. Wow, il court vite, ce bâtard. Il est athlétique. Il court vers nous au moins. Ouais, il est où? Je vais essayer de prendre la porte, ce connard. Ou je sais pas, on s'en bat les couilles. Putain. Ya. C'est quoi? Oh. Des hommes tout nus. Il court comme les mecs dans l'Odyssée Day. Oh, les ombres de... Ah mais elles sont pixelisées, les ombres. Je jure. C'est des ombres de PlayStation 1. Ouais, grave. Oula, non. Imagine, il y a un mec à l'intérieur, tu t'es enfermé comme une sardine. Bon, c'est tout. Je constate, c'est tout ce que je vois. Donc, à moi passe... de games. Attends, je sais plus comment on joue. Donc, je passe la manette à mon poteau. Attends, je sais plus comment on joue. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est là pour sprinter et tout ça. Ouais. Donc là, on a enfin trouvé la radio à laquelle on devait accéder pour demander des secours. Oula. Oula, il y a un mec du FBI. C'est le gros con qui a voté. Oula, il est pas... Oula. Ouais, lui il était au début, je me rappelle. Si vous vous rappelez, dans la première cinématique du premier Let's Play, il y était. Ouais, c'est bon. Olen Park. Donc lui il fait partie des gens qui ont créé ces expériences. T'as mal la grosse tête qu'il a, on dirait un poireau, mon gars. Elles ont toutes des têtes d'aliments ou d'animaux. Attends. Faites ça plaisir. Attends, c'est Brutus. C'est Brutus là. Ouais, parce que je rappelle que Brutus n'est pas mort dans Whistleblower, vu que ça se passe avant et pendant les événements d'Outlast. Attends, regarde quand même dessus. Ah, serre cette touche finalement. Ah ouais, il est bien là, ouais. Le perd pas de vue. Le perd pas de vue, gros. Vas-y, tape une pointe. Ouais, je crois que toi, lui, il est trop perspicace. Vas-y, arrête de faire du chien. Allez, oh voilà. Le salaud. Lui, il est trop perspicace, Brutus. Il crame trop des trucs, il t'entend trop facilement. Vas-y, ferme la porte. Merde. Ouais, chauffe-toi. Mais je suis trompé de touche. Mais ferme les portes, comme ça, il galère à les ouvrir. Je m'en fous, là. J'ai un passage secret. Mais passe. Oh, gros sac. Eh, j'entendais un bruit, j'ai cru qu'il était là. Sauvegarde, c'est cool. Bon, bref, regardez, donc, dans Outlast 1, on venait d'ici. Et donc, en fait, on voyait ouais, ce personnage. Enfin, c'était pas le même, je crois, mais en tout cas, il est en non, train. Non, c'était pas le même, l'autre, il stressait. Il est en train d'écrire un truc sur le mur, et là, donc voilà, vraiment pour vous dire que. Donc, c'est en parallèle avec les événements qui sont déroulés dans Outlast normal. Là, je vais pas. Attends, essaye les portes, ouais, y'a peut-être un truc. Bah, mais ça se trouve, c'est. Non, ça ne propose pas, c'est mort. Si, il propose. Parce que dalle. Why? Ah, c'est une semi-ouverture. Ouais, grave. C'est. Le mec, il fait trop semblant, quoi. Genre. Ah non, c'est fermé, j'y vais pas. Quoi là-dedans? J'ai hâte, mais j'aime pas ça. Ah, un dossier. Ah, y a un dossier. Voilà, bon, vas-y, clique sur tout comme ça. Tuez-nous. Tuez-nous, brûlez le bâtiment. Pire que la mort, ici, tuez-nous. Alors, c'était une rédaction écrite par un des patients de Murkoff. Ok, personne ici, il y a de l'électricité. Faut me faire baiser bêtement. Ouais, bah oui. Ouais, j'avoue, mon gars, tu vas toucher le truc, tu vas canner. Non, vas-y pas. Mais j'y vais pas. Comment je le sens pas là. En plus, il y a trop de silence en nous. Mais... Là, c'est le meilleur passage du jeu. Sérieux? Ouais, j'adore ce passage. Attends. Wow. On est en prison là encore?
Allez, je sens que ça vient. Donc nous filmons actuellement un des patients de Murkoff qui se soulage en fait sur sur toutes sortes d'organes humains. Je pense sur plusieurs plans là. Vas-y, là il est dans le cadre là. Vas-y. Zoom. Pas mal. Zoom. Ah, il y a peut-être du fluide. Attends les Jacques. vas-y. Ouais, bande de fourbes. Ouais, ils nous font marrer, ils nous font décompresser avec des trucs comme ça, et puis là, hop, vas-y que je t'en fous un screamer, quoi. Non. Fallait pas tourner à gauche. Au-dessus, regarde au-dessus de ta tête, wesh. Un truc chimique. Ouais, bah, moi je reste pas là, mon gars, je cours. Bon, ici je préfère, c'est un peu plus éclairé, ça. What, ça s'est réactivé. De quoi? Bah t'as pas vu, l'électricité vient de se remettre. Je suis pas fou. Ah, parce qu'il y a un temps imparti, je crois. Non, y a pas de temps imparti. Ça c'est une excuse pour nous faire revenir là, pour nous faire flipper. Comment je sens trop? Toi, je me colle. Ouais, longe les parois, c'est mieux. Lui, il est plus là. Tout ce que tu veux. Tiens, Théma. Il a fini. Attends, j'ai pas confiance sur le côté, là. Ah, pédé. Ah. T'as pris une pointe. Cours. Sauf ta peau. Eh, comment j'en étais sûr, putain, c'était cramé. Ouais, je ferme la porte. Mais je ferme pas la porte, j'ai pas le temps de fermer la porte, mon gars. Bien sûr que si, t'es loin derrière toi, wesh. Ouais, l'autre, t'as vu comment il courait vite, toi, tout à l'heure. Non, mais tu sais, tu cours plus vite que tous les mecs, hein. Tu cours légèrement plus vite. J'ai pas confiance. Je sais jamais. Eh, comment c'était sûr, mon gars, c'était... Ah là, je cours plus vite mon cul, ouais. Waouh, que d'émotions énormes. Attends, c'était 20 minutes. Mordec. Non, mais, ouais, j'attends. Non, t'as changé de pile! Mais putain, voilà! C'est bon, alors tu fais un tisse. Ok, donc Welsi, alias Nico Bishoko, alias Nicolas, qui a toujours la manette. Je vous cache pas qu'on s'est bien chié dessus. Ils l'ont vu. Moi, je me suis chié dessus personnellement, alors que j'avais même pas la manette dans les mains. Alors, j'ose même pas vous dire si je l'avais. Je crois que j'aurais mis encore, comme la dernière fois, un high kick à mon ordi. Je vous le cache pas. Vas-y, passe en dessous. I believe. Je le sens trop pas là. Waouh. Fuck really. Fenêtre. Je la sens archi pas. Non mais je suis obligé de passer. Oh, il y a du style. Ah, je suis sûr l'autre il était accroché ici. Le mec c'est un trapéziste. On est bien dans la montagne. Ouais, j'avais déjà vu dans la première partie qu'on était dans la montagne. Je le sens pas. Non, c'est la montagne B. Ah, c'est... Tu vois pas ce qu'il y a au bout là, j'aime pas ça du tout. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Allez, monte. T'aurais kiffé, tu te serais ramasse, mon gars. Peut-être t'as un pédé. Allez, les basketteurs. Ouais. Quoi? Ah, mais ce mec là il tombe tout le temps. T'as vu? Enfin, les deux mecs ils tombent. Ouais, y'a les poules qui te retombent dessus là, putain. Ok, that's good. Oula. Théma il a dit quoi? Timmy, on pourra parler de filles quand tu auras des poils sur ton zizi. Bonjour. Ah, il est décédé, c'est cool. Il y a une tête de carré. Je trouve un peu trop bien. Je trouvais un peu trop classe, trop. Trop de style. Trop, trop sûr de lui en fait. Coucou. Avoue que tu t'en rappelais pas de ça. Non, je m'en rappelais pas de cette merde. Tu sais, j'aurais dû faire plusieurs fois avant de jouer avec toi, j'aurais pu faire le mec, tu vois. Non, au contraire, c'est d'art. Qu'est-ce qu'il dit là? Je peux pas lire en même temps. Oh, cours. Sauf ta peau. Et ouais, je sais pas quoi. Non, tiens, mon cul, ouais. Ah non, là, faut que tu. Vas-y, pousse ça, dépêche. Mais je suis en train de le faire. Putain, y'a toujours ces merdes là devant les portes, là, les mêmes bails. Ouais, toujours les mêmes armoires. Comme par hasard. Non, waouh, on est bloqué par quoi? Des sauts. Super. Non mais y'a une table en dessous. Rien du tout. Ferme-la. Y'a rien du tout, je t'ai dit. Tu te tais. C'est quoi ce truc bleu là? Silo plein de crampes. Je sais pas. Qui m'a niqué ma lumière pour un passe autre passe. Oh non. Dis-vous là. Je suis coincé. On fera des affaires. Là, ah wesh. T'inquiète, regarde-le bien, comme ça tu sais où il est, tranquille. Il a toujours la même gueule en plus. Allez, genre, cette partie du let's play qui est plutôt flippante, je dois dire. Là, merde. Arrête de taper dans l'ordi.
Ah bordel. Ah c'est dégueulasse. C'est quoi le... Il y a des mouches. Donc analysons cette... Il y a un œil mon gars. Ouais, why elle a... Eh, j'ai une blague. Elle a les yeux plus gros que le ventre. Ah, moi je veux. Donc nous sommes actuellement dans une ancienne usine de couture. Dans laquelle on s'enjaille un maximum. Ouais, trop. Il fait de la couture. Ah, la tête de pervers, cours. Cours Taras, ouais. il va faire le tour, je m'en rappelle, je te sauve la vie en me disant ça. Cours Taras. Justement. Oui, mais cours Taras, mais... Faut que j'aille où, wesh. Je sais plus, mais cours. Regarde, tu vois, il arrive de l'autre côté, faut passer par où il est passé. Il arrive où? Baisse-toi, il arrive de là-bas. Fourberie. Non, mais... Il court vite, mes couilles, il court... Ouais, ouais, tu passes où, maintenant? Il court comme mon papy Jackie, Wow! Papy Jackie, papy Jackie, cool, ouais. J'ai plus confiance maintenant quand tu me dis ça, je me fais pas avoir. Ouais, bon, bah c'est Whistleblower, c'est pas pareil. Hein, dans ouais, 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 bah oui, mais ça fait 4 fois que je t'ai dit. Voilà, passe-la, il ouvre la porte. Non, pas la connard! Mais c'est bon! Non, mais cours! Allez, psychopathe, mon gars. Non, mais y'a une porte derrière toi! J'ai cru que c'était une échelle, ta gueule! Ouvre tes yeux! Ouvre tes yeux derrière là! Non! Oh, que d'émotion. Ah là, je m'en rappelle, faut que tu cours comme mais un canard. Mais putain, il me casse trop les couilles, voilà. Waouh, il était juste là. Vas-y, cours, mais il est derrière toi, tu vite. Voilà, pousse. On va voir son costume taché plein de sang. Eh, tu me fais taper des barres, putain. Où t'as l'eau, t'as là. Ouais. Théma, ouais, il est ouais, même ouais. Pas là, ouais, je tranquille. Ouais, il est pas là, je m'en fous, il est pas là, il peut être là, on sait jamais. Change de pile. Eh, tu m'as tué, putain. Voilà, il est pas là, tranquille. Oui, pour l'instant. Gars, il est pas là. Il est... Mais t'es plus... Oh, putain, son... Mais non. Bon, on doit l'admettre, sa coupe est stylée, hein. Il a un bon petit dégradé, au calme. Mais qu'est-ce que tu vas foutre, le... Why? Hey, one shot. Bah oui. Bon, moi je croyais il allait... Oh, putain. Parce que j'avais ma caméra pour pas qu'elle prenne cher, voilà. Parce que c'est une Nikon quand même. Niflon. Ça nous a écrasé avec sa chouffe. Ouais, ok, bon, c'est bon à savoir, il vous one shot. Hein. Oui. Pousse. Mais je croyais que je l'avais poussé jusqu'au bout en fait. Il se relève tout seul quand tu pousses jusqu'au bout. Mais de toute façon, c'est programmé pour que t'aies le temps. Mais je crois que tout à l'heure tu l'as poussé jusqu'au bout, hein. Carré c'était écrit. Mais non, je te jure, c'était remarqué carré pour. En bref, on s'en fout. Saute. Oui. Ouais, j'ai même pas qu'il y avait une échelle. Oui. Mais arrête de tomber, t'es pourquoi tu tombes tout le temps? Du coup, je suis engueulé. Ouais, elle a le pied dans l'ascenseur. Elle a le pied tout passé, ouais. Aïe. Il est où le trou dans le tissu là? Ouais, grave. Il est où le trou dans le tissu? Je sais pas. Pourquoi t'infligerais-tu quelque chose comme ça? Pourquoi il tombe pas avec moi? Tu mourrais plutôt que d'être avec moi. Oui, quand même. Bah oui, bien sûr, on a vu ça tout à l'heure. Hein. Oui, il y a la musique bizarre, s'il te plaît. Fais un effort. De me casser les couilles, c'est bon, on va s'en sortir. Mais ça j'ai va. Pas envie de mourir. Là, je le sens pas du tu tout. Tu comprends, hein. Couscous? Ah, il est derrière nous, je sais. Ouais, bah, de toute façon, tu sais, là on est en mode canard boiteux, on va pas aller loin. Ah, coucou. Ah, oui, d'accord. Placard à côté de toi. Non, pas celui-là. Et lequel? Là. Ah, oui, parce qu'il y a des placards fermés, des placards ouverts, ok. Je peux, à l'odeur de la treille de mon amour, chérie, tu ne peux pas te cacher. Je suis pas une femme. Moi, tu. Oui, il vole des placards. Ah oui, d'accord, il a volé le casier, mon gars. Oh. Ah, il a un œil bizarre. Enfin, deux yeux bizarres. Attention, mon cadeau pour moi. Une friandise à déballer encore, puis à savourer. Que tu dois avoir aussi envie que moi de consommer notre amour, mais essaie d'apprécier l'attente. Ah, ni l'attente, ni l'amour, hein. Ni l'un ni l'autre. Là, c'est. J'ai cru, il passait juste son doigt et s'est fait un kiff. Genre, il voulait toucher. Il voulait toucher la marchandise. Non, mais il m'a mis du gaz. Non, la friandise. Pas la marchandise. Ouais, c'est la même. Ok. 12 heures plus tard, ok, on a dormi pendant 12 heures. T'arrêtes de faire des trucs chelous comme ça là, oh. On a passé de très belles journées.
Ah. Nous sommes dans une mauvaise posture là. Oh non, me dis pas qu'on est pareil que l'autre cas quand même, non. Non, tranquille, c'était juste un rêve, on se réveille dans notre appartement, pépère. Le bite à l'air. Ça rime. Punchline. Tu as une structure osseuse surprenante et une peau si douce. Et on voit notre zizi, c'est génial. C'est fun. Et c'est là le mec, il a une érection, tu sais. Bah, il sera coupé moins tôt son zizi, écoute. Il va remonter. Ouais, grave, c'est la seule solution pour gagner un peu de temps. Une femme doit souffrir à certaines choses. Eh, touche pas. Je joue pas au con, là. Je préfère aussi. Peu de respect, s'il te plaît. Non. Oh non, ça c'est ignoble, ça c'est horrible. Ça c'est horrible, non, forcément, non. Ça c'est horrible, ça c'est le pire truc. On a même pas eu le temps de concevoir. Ok, je pense à nos enfants, allez, Brandon, Dylan, non. Joue pas au con, mec, arrête. Fais pas le con, gars. Oh. Wow. Superman. Tu es donc vivant. S'il te plaît. La vraie cinématique, c'est 15 minutes. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, oh, putain. Oh, le sauveur, mon gars. Le gars, il nous a sauvés, wesh. Putain, on a failli prendre tellement cher, mon gars. Wouah. Et bien voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez apprécié, cette deuxième partie du let's play sur Outlast Whistleblower, qui s'est vraiment avérée super flippante. Donc n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Nico, donc je vais vous mettre le lien dans la description, donc n'oubliez vraiment pas, hein, ça lui ferait plaisir je pense. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour un max de vidéos. Donc avant de se quitter, il faut vraiment que je vous parle d'un truc, c'est pour ma FAQ que je compte faire pour les 5000 abonnés dans pas longtemps. Donc il faudrait que sur tous les réseaux sociaux vous me posiez des questions, donc avec un petit hashtag FAQ avant la question, histoire que je me repère. Donc voilà, ce serait pratique. Donc je vous en remercie d'avance, et sinon je vous dis à la prochaine pour un max de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde.